Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde selon votre temps. Hello everybody, how are you? How are you doing? I don't know your time now. Just I need to speak for some people in this world. Je veux parler aux gens de ce monde, aux êtres humains que nous sommes. Très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien avec vos familles, vos enfants. Ainsi que toute la famille. Nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année et j'espère que non, beaucoup de personnes vont tenir à leurs promesses. Il faut que je laisse 2018 avec ceci, il faut que je laisse le mauvais caractère, il faut que je laisse la jalousie, n'oubliez pas quelque chose. Et nous espérons que réellement vous allez tenir à votre promesse. Mais comme les hommes sont ce qu'ils sont, je voudrais juste que non, que vous laissiez un peu le nom de Dieu tranquille, si vous n'êtes pas prêt à changer, ou si vous n'êtes pas prêt à prendre des décisions. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, même pas moi. Parce que beaucoup de personnes l'ont dit. Oh, il faut que je laisse la mauvaise habitude. Cette année, 2019 va être comme ça là. Je ne vais plus faire ceci. Mais on va se rendre compte que non, quand 2019 ou bien 2020 viendra, ça sera toujours les mêmes qui feront toujours les mêmes choses et qui seront les premiers et les premières à pointer aux autres du doigt. Dommage pour cela. J'ai ma part de conception, je sais pas, des choses, autant pour moi. Donc j'ai ma façon de penser, nous n'avons pas les mêmes pensées. Mais je voudrais juste que, non, que vous soyez un peu vous-même. S'il y a encore des gens qui peuvent donner de l'amour, donnez de l'amour. Tandis que vous êtes en train de rire, tandis que vous êtes en train de vous enivrer de vin, tandis que non, il y a de la joie. Il y a ceux-là qui sont couchés sur le lit des hôpitaux, ceux-là qui sont en train de mourir, ceux-là qui ont faim, ceux-là qui n'ont rien, tout comme moi. Avez-vous pensé à ces gens? Non. Avez-vous pensé aux prisonniers? Avez-vous pensé aux gens qui sont cloués sur le lit de leur hôpital, je ne sais pas quoi? Avez-vous pensé à toutes les personnes qui sont dans les morgues? Des accidents par-ci par-là? Ça ne pouvait pas être toi. Ça ne pouvait pas être moi. Essayons de changer. Je voudrais juste vous faire savoir que je peux être maniaque, comme je peux être comme je suis, à parler des bonnes choses. Il y a le temps des jeux, il y a le temps pour rire, il y a le temps pour parler, il y a le temps pour discuter. Je ne vis pas avec le désordre, mais je voudrais juste que non, que vous teniez à vos promesses. Moi, je n'ai tenu à aucune promesse parce que je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Je pensais déjà à 2019, oui, 2019 en train de venir, mais il n'est pas encore là. Et je ne sais pas ce qui va se passer en 2019. Mais j'y fais déjà des projets. En 2019, ça sera ceci, ça sera cela, ça va être. Qui es-tu? Tu connais ta vie? Tu connais pas ta vie? Tu connais rien de toi? S'il plaît à Dieu, je verrai 2019. S'il plaît à Dieu, je verrai 2019. Nous sommes en train de tirer vers ces jours. Et que le sang de Jésus s'épande sur toutes les terres du monde, afin de nous éviter tout désastre. Qu'il nous garde, qu'il soutienne ses enfants, qu'il les garde, qu'il les protège. Nos familles, nos enfants, nos parents, nos connaissances, nos amis. Même les personnes qu'on a vues une fois et qu'on ne les a plus revues. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas aussi, bénissez pour que Dieu vous bénisse. Depuis que je vous demande les dons, de l'argent, personne n'a jamais enlevé ici. Peu de personnes qui enlèvent ça pour me donner ça en cachette. Mais là n'est pas l'état de mon esprit. Je voudrais juste vous dire que changez et tenez à vos promesses. Ne laissez pas la malédiction s'abattre sur vous. Parce qu'il est le Dieu vivant. C'est ton Père, c'est ton Dieu. Il est aussi mon Dieu. On a un même Dieu. Ne te crois pas supérieur aux autres. Ne te crois pas supérieur à moi.
et moi je ne me prendrai jamais supérieur à vous tous, juste à pardonner mes petits messages. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, moi je suis chez moi ici. Je suis chez moi, je vais déménager bientôt, je vais bientôt laisser ma maison, donc c'est en cours. Personne ne me soutient. Même les fêtes, je suis une star, je suis une star. Une star quoi? Mbrakata. Parce que c'est vous-même qui me négligez. Parce que c'est vous-même qui permettez ça. Mais si vous mettiez vraiment votre mexicaine en haut, je ne pense pas que les gens se permettront même de venir citer de n'importe quoi là sur mon mur. Mais vous êtes dans l'ombre. Je t'aime, I love you, I love you. I'm not eat love. Je ne mange pas l'amour. Mais tenez à vos promesses et bénissez pour que Dieu vous bénisse aussi parce que vous avez des enfants et nous ne connaissons pas le lendemain. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un, je suis homosexuel, je suis pédé comme je peux être pédé. Mais c'est mon affaire avec Dieu. Chacun porte son sac, chacun porte sa vie. Nous tous on passera en jugement un jour. Pas le jugement des hommes, mais le jugement de Dieu. Tenez à vos promesses. Tenez, que Dieu vous bénisse et passez un très bon réveillon, un très bon Noël. Mais souvenez-vous aussi des autres, parce qu'il y a des autres quelque part qui sont malheureux, qui ont besoin de vous, pas seulement de moi, mais il y a d'autres aussi qui ont besoin de vous. Tenez-leur la main, tendez-leur la main, ils en ont besoin. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Au revoir.